Bonjour les agitateurs du changement, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog Mes recettes naturelles. Je suis Caroline et aujourd'hui nous allons apprendre ensemble à fabriquer un sirop de radis noir. Le radis noir, on l'utilise souvent comme dépuratif pour détoxifier le foie. C'est le jus du radis qu'on va boire directement pour les plus courageux dans un verre préparé à partir d'une centrifugeuse ou alors vous le trouvez dans le commerce sous forme d'ampoule. Aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est la préparation d'un sirop de radis noir que vous allez garder surtout pour l'hiver. Ce sirop, il est très utile quand on a une bronchite, quand on a les bronches qui sont vraiment encombrées et que la toux est grasse. Parce que le radis noir contient un composé, un soufré, qu'on appelle un glucosinate, qui est responsable de l'odeur un peu piquante, soufrée du radis noir, et qui est expectorant, c'est-à-dire que ça va aider le corps, et en particulier les bronches, à faire remonter tout le mucus et à le faire sortir naturellement, ce qui va faciliter grandement la guérison et puis apporter du confort. Donc pour préparer ce sirop de radis noir, c'est très simple, je vais vous expliquer. Au niveau du matériel, il vous faut simplement effectuer une ou deux racines de radis noir que vous allez bien laver à l'eau claire. Vous allez ensuite utiliser une mandoline pour faire des tranches, vraiment des lamelles très très fines. Alors si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser un couteau ou même les lames d'un robot si vous avez un robot qui permet de faire des tranches très fines de légumes. Il faut vraiment viser l'épaisseur la plus petite possible. Ensuite, du sucre. Alors plutôt du sucre blanc parce que le sucre blanc, c'est un sucre qui est purifié, donc il ne va contenir aucune impureté et qui va faciliter grandement la conservation de notre sirop. Il vous faut ensuite un petit entonnoir et un flacon plutôt en verre opaque si vous avez comme celui-ci que vous avez préalablement bien lavé à l'eau savonneuse et bien fait sécher. Alors ce sirop de radis noir, on va l'utiliser à hauteur de 3 cuillères à soupe par jour pendant toute la période où la toux a besoin d'être soutenue. Donc pendant, voilà, vraiment pour traiter les toux grasses. Donc 3 cuillères à soupe pour les adultes. Vous pouvez même en donner aux enfants plus de 7 ans en adaptant la quantité, en leur donnant une petite cuillère à café par exemple. Ce sirop se conserve au frais pendant, on va dire, 1 à 2 mois. De toute façon, vous verrez rapidement lorsqu'il est plus utilisable, hein, si l'odeur a changé ou la texture. Il faut vous le jeter puis vous en préparez un autre. Alors pour ceux qui sont un petit peu rebutés par le goût du radis noir qui est un goût vraiment piquant, un petit peu acidulé, sachez que dans cette recette de sirop, il y a autant de sucre que de radis noir. Et donc on va en fait utiliser le sucre pour extraire le jus du radis. Et finalement, on a quelque chose de très doux, sucré et qui est très agréable à boire. Donc c'est parti pour la recette. À tout de suite.
d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, et puis abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. En attendant, vous êtes libre de recevoir gratuitement mon guide du ménage au naturel pour apprendre à tout nettoyer sans s'intoxiquer. Je mets le lien pour le trouver juste sous la vidéo. Et je vous dis à très vite!